Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Je suis au bord de la gravière une nouvelle fois. J'aurais bien été en rivière, mais le problème c'est que ça coule encore de trop et c'est trop chargé en débris de tout genre. Donc ça va pas pêcher correctement, donc c'est pas la peine. Je suis venu sur la gravière. Je suis assez surpris parce que le niveau est super haut. Le niveau est bien 50 cm au-dessus. Et puis comme je pêche sur une espèce de plage, ça va être assez compliqué. Donc je sais pas si je vais prendre ce poste-là ou si je vais changer de poste. Mais je vois pas trop où me mettre ailleurs, à vrai dire. Bon, je vais voir. Il fait moins 4 degrés ce matin. Ça caille bien. J'espère que le brouillard va se lever parce qu'il y a un superbe soleil sur la route. J'ai eu un super soleil. Donc j'espère que le brouillard va se lever pour pouvoir réchauffer tout ça. Ça serait cool. Et puis je vais m'installer tranquille et puis espérer faire un poisson. Je vous fais voir tout ça comme d'habitude. Allez, c'est parti. Là je vais pêcher avec deux montages différents. Donc le premier, il y a mon corps de ligne en tresse sur laquelle j'ai mis un leader corps. Pour venir plaquer la terminaison, ça fait 80 cm, 1 mètre. Alors sur celle-ci, j'ai mis un tout petit plomb parce que ça va pêcher vraiment, vraiment proche de la merde. Et je veux pas que ça s'enfonce ou que ça reste bloqué dans les obstacles si jamais il y a un fish. Ensuite, une tresse. Donc ça, c'est de la Reflex Camo de chez Fox. En 35 livres, parce que comme je pêche près d'obstacles, il faut que ça Donc en tienne. hameçon, c'est un Wild Gap X avec une petite bouillette équilibrée, quoi. Voilà, tout simplement. Et après, je vais mettre là-dessus un petit stick de pelé poisson. Donc là, c'est une équilibrée poisson. Et puis ça va pêcher près d'un tas de merde. Avec un peu de feuilles, il doit y avoir une poche de vase pas loin. Bon, deuxième type de montage que j'utilise. Donc là, j'utilise une tête de ligne en 55 centièmes de chez Corda, du Snag Leader. Un clip plomb classique, un plomb trilobe sur celle-ci, pour essayer de faire passer le plomb plus facilement dans les obstacles. Toujours la même réflexe camo. Toujours le même hameçon. Et puis ici, j'ai éché une petite bille dense. Avec un petit grain de maïs flottant pour équilibrer le tout au fond de l'eau. Donc ça va pêcher près d'un arbre immergé. Je pense que ça peut être sympathique. Et donc là-dessus, je vais mettre un petit stick avec de la bille écrasée vraiment pour que ça fasse de la particule dans l'eau. Comme ça, si jamais il y a vraiment un poisson qui passe, la particule se lève dans la flotte et puis attire beaucoup plus le poisson. Voilà. Bon voilà, 10h20, je venais de finir de placer mes cannes et premier départ, super commune de 9,4 faite avec une bille équilibrée poisson et je vais vous faire voir le spot parce que celle-ci on peut dire que j'ai été la chercher. Hein. Superbe couleur franchement, super fiche, magnifique. Je kiffe. Par contre, ça caille la mort. Allez, je vais la remettre à l'eau. Alors, quand je vous dis que j'ai été chercher ce poisson, j'ai été le chercher par là. Alors, je vous emmène. Donc, la gravière est vachement haute, donc d'où l'importance des bottes. Et puis là, je suis en pleine forêt vierge. Et ma canne est juste là. Voilà. Ma canne est juste là. Le spot il est juste en face. J'ai pris une deuxième épuisette parce que c'est un spot que je voulais pêcher. Et donc j'ai pris une vieille épuisette qui me reste au fond du garage pour avoir en fait deux épuisettes, une ici puis une sur le spot là-bas. Et là, donc avec les bottes, ça caille quand même bien. Là, j'ai cassé la glace pour pouvoir marcher ce matin. C'est complètement gelé.
Donc c'est vrai que ça pèle quand même pas mal quoi. Mais bon, le résultat est là, donc je suis content. Et j'espère vous refaire faire voir un joli poisson avant la fin de la journée. Ça serait cool. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 13h. Le brouillard vient de se lever il y a quoi? Il y a à peine une demi-heure. Donc là, j'ai un grand soleil, donc ça fait super plaisir, ça fait super du bien. Je suis dans le broulis, donc ça chauffe bien le broulis, ça fait super plaisir. Parce que franchement, je me gèle les pinces. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, en hiver, il faut s'y attendre. Et puis avec les bottes, c'est vrai que c'est pas le top, quoi. J'aime pas trop mettre les bottes parce que j'ai vraiment froid aux pieds dans les bottes. Mais vu le spot que j'ai pas trop le choix, quoi. Donc un joli poisson de fait ce matin, donc ça c'est vraiment une belle récompense sur un spot vraiment que j'ai été chercher. Et ça c'est vraiment top quoi, de ce temps là c'est vraiment top. Là j'ai repositionné mes trois cannes, je pêche qu'à trois cannes aujourd'hui, donc j'ai repositionné mes trois cannes toujours sur les spots que je pêche, mais à différents endroits pour essayer de trouver un poisson qui serait là, qui serait pas trop mordeur, mais qui serait quand même en attente quoi. Et puis on verra bien quoi. Ce matin, à peine déposé, ça a déroulé. Donc voilà, j'ai dû déposer sur le poisson quasiment quoi. Donc c'est un peu ce que j'essaie de reproduire là. On verra bien. Je vous tiens au courant de toute façon, hein, comme d'hab. Allez ma foi, tout à l'heure. Bon voilà, deuxième poisson les amis. Encore une commune. Un peu plus petit cette fois-ci, 7,8 kg. Fait sur le même spot, vraiment un spot qui est vraiment intéressant, super compliqué à aller pêcher, mais par contre voilà, ça rapporte du poisson, ça fait plaisir avec ces périodes hivernales de réussir à sortir du fish quand même. Je suis super content, puis des super jolis poissons, ça fait plaisir, super. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon voilà, petite miroir de 4 kg à peu près, faite à la bille équilibrée poisson, mais cette fois-ci sur un autre spot qui n'avait rien produit jusqu'à présent. Ça fait plaisir, pas un gros poisson, mais les jolies couleurs d'hiver, ça fait plaisir. Puis troisième poisson de la journée, faut pas trop en demander quoi. Je suis super content. Une belle petite sortie, ça fait plaisir quoi. Allez, on va la remettre au lieu. Allô. Bon voilà, juste derrière là, la petite miroir. Nouveau départ sur ma canne qui est planquée là-bas dans l'Amazonie. Et encore une commune. Vraiment un spot à commune. Celle-ci, elle fait 9 kg. Donc toujours avec la bille équilibrée poisson. Un joli petit poisson. Ça fait plaisir, elle m'a fait un joli combat en plus. Franchement, super quoi. 4 fiches en pêche de jour comme ça en plein hiver. Je suis super content. Allez, je la remets à l'eau. Bon, voilà les amis, il est 5h moins quart. Donc, je viens de tout replier. Une belle après-midi ensoleillée, ça fait plaisir. Là, j'ai remballé, il fait pas trop froid, donc c'est cool. Le vent s'est bien calmé. Donc, j'ai passé un super moment. 4 fiches de feu aujourd'hui, c'est juste le top, hein, parce qu'en hiver comme ça, si tu fais un poisson, t'es déjà content. Alors imaginez 4, je suis aux anges avec 3 belles communes, une petite miroir, donc c'est cool. J'ai cherché un spot qui était intéressant à pêcher, je me suis fait chier à le trouver, parce que vous avez vu où je passe, avec une eau à je sais pas combien de degrés, elle doit être à 4-5 degrés. En botte, imaginez comment ça caille, mais voilà quoi, ça rapporte 3 poissons sur ce spot là, donc je suis vraiment content. Et puis un autre poisson sur un autre spot que je pêche régulièrement, celui-ci par contre, donc ça fait vraiment super plaisir. 4 départs à la même bille, l'autre bille n'a rien donné du tout bizarrement, pourtant c'était une bille qui payait relativement bien ici, mais bon voilà. Bon, ma foi, je vais me rentrer et je vais passer chercher un petit colis avant que je déballerai avec vous, une petite surprise de 2019. Je vous en dis pas plus, je vous ferai voir tout ça en vidéo. Allez, à plus !